C'est vraiment au feeling, en fait. Et des fois, j'aurais pas envie forcément de m'inspirer. J'aurais envie d'essayer de créer quelque chose propre à moi, à mon image, à ce que je ressens. Bonjour, je m'appelle Marie Mourali, j'ai 22 ans, je suis make-up artiste principalement, mais j'ai aussi beaucoup de passion. Au début, j'ai commencé par passion parce que j'avais beaucoup de temps à perdre pendant la période de Covid. Et les réseaux sociaux m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à me développer dans ma carrière, dans ma motivation. Et du coup, ça a commencé de là et ça m'a vraiment fait kiffer. Donc tous les jours, j'essaie de nouvelles choses, que ce soit dans l'artistique, que ce soit dans le glam. Et puis voilà, j'ai décidé que j'allais faire une formation de make-up professionnel. Ça dépend vraiment de mon humeur. Aujourd'hui, je peux être dans une humeur un peu rosy pour un make-up un peu simple et mignon et féminin. Et le lendemain, je peux être dans un mood de make-up FX avec beaucoup de sang, beaucoup de blessures. Ça dépend en fait. À Tunis, je dirais Farah Zin El Abidine, qui est une jeune make-up artiste. Je respecte énormément son travail de par sa finition, de par sa précision, de par sa créativité. Il y en a tellement en fait, qui sont tous particuliers et singuliers de par leur créativité, leur création. La partie la plus difficile pour ma part, c'est les détails, les tout petits détails. Il faut vraiment penser à tout, que ce soit les ombres, que ce soit avoir une main très stable pour les mini détails qui vont faire toute la différence du make-up. La création de faux sang me prend du temps, la création de mes prothèses me prend du temps, mais et pour mettre tout ça ensemble, bon, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 3 heures. Ça dépend vraiment de ce que je veux faire à ce moment-là, en fait. Vers mai, juin, j'ai commencé à vraiment travailler, à avoir des clients, des demandes, des shootings, des défilés. Donc c'est à ce moment-là et c'est grâce à mon développement sur les réseaux sociaux. J'ai envie d'y arriver. J'ai vraiment envie d'y arriver. Et je sais que je peux me donner les moyens en travaillant. J'adore ce que je fais, j'adore. C'est entre la passion, le métier, l'amour pour le métier. Et ce qui me motive, c'est ma détermination, en fait. Que ce soit pour le make-up, pour n'importe quelle passion que vous avez, je vous conseille de vous amuser parce que pour moi, c'est la clé. Et que si je ne m'amusais pas et que je ne prenais pas autant de plaisir, j'oserais pas, en fait. J'oserais pas me lancer, chanter, danser, faire du maquillage. Vous mettez pas de barrières, vous mettez pas de limites, juste essayez. Et si ça marche pas, c'est pas grave, mais ne laissez pas tomber.